Et voici la vidéo règle de Ligretto, un petit jeu de cartes et de rapidité pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans. C'est un jeu édité chez Schmitt. Au niveau du matériel, rien de plus simple puisque vous allez trouver à l'intérieur de la boîte uniquement des cartes que vous allez pouvoir diviser en 4 paquets qui ont toutes un dos différent comme ceci. À l'intérieur de chacun de ces paquets de cartes, vous allez trouver 4 couleurs de cartes chiffrés allant de 1 jusqu'à 10. Donc il y a du jaune, du bleu, du vert et du rouge. On va, pour débuter la partie, bien mélanger chacun son paquet, car effectivement, chaque joueur va recevoir un de ses paquets de cartes avec un dos différent des autres joueurs. Chacun ayant bien mélangé son paquet, nous allons constituer notre panier. Alors le panier, qu'est-ce que c'est? Ça va être des cartes qui vont être posées face visible devant nous. Si vous jouez à 4 joueurs, vous allez tirer les 3 premières cartes de votre paquet que vous allez disposer devant vous. Si jamais vous jouez seulement à 3 joueurs, à ce moment-là, vous mettrez 4 cartes visibles. Et si vous jouez uniquement à 2 joueurs, vous mettrez 5 cartes face visible. Mais pour le moment, je vais vous faire un exemple à 4 joueurs. Et donc, à ce moment-là, tout le monde aura 3 cartes face visible devant lui. Ensuite, de ce paquet, nous allons tirer 10 cartes supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ces 10 cartes, on va les disposer face visible à côté de notre panier. Le paquet de cartes restantes seront gardées par chaque joueur dans sa main gauche ou droite s'il est gaucher. Face cachée, on n'a pas le droit de les regarder pour le moment. Ceci étant fait, nous sommes prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, le but va tout simplement être d'arriver à se débarrasser de ces cartes le plus rapidement possible au centre du jeu, en y réalisant des séries croissantes de chacune des couleurs de cartes existantes. Le but réel est d'arriver à vider ce petit paquet de 10 cartes que chacun s'est constitué à côté de son panier. Ce petit paquet de cartes est appelé le Ligretto, comme le nom du jeu. Alors, pour le déroulement, ce qui est original, c'est qu'il n'y a pas de tour de jeu, car effectivement, tous les joueurs vont jouer en même temps et le plus rapidement possible pour constituer au centre de la table des séries croissantes allant de 1 à 10. Il faudra obligatoirement commencer par un 1. Donc, comme tout le monde joue en même temps, eh bien, on fait en fait les différentes actions quand on veut et surtout quand on le peut. Premièrement, on doit toujours tenter d'utiliser les cartes de son panier ou la carte du dessus de son Ligretto. Donc là, par exemple, si on débutait la partie, on fait 1, 2, 3 et hop, c'est parti. Et les joueurs peuvent commencer directement à placer ces cartes en jeu, à condition évidemment de commencer par des 1. Donc là, par exemple, il y a uniquement ce joueur-là qui a 1, 1 pour commencer une série. Il a le droit de la prendre et de la poser en jeu pour commencer la série rouge. Dès qu'un joueur utilise ainsi une carte de son panier, il va la remplacer immédiatement par la carte tirée sur le dessus de son Ligretto. Il faut toujours avoir le même nombre que celui qu'on a déterminé au départ dans son panier en fonction du nombre de joueurs. Alors évidemment, il faut bien regarder ce que les autres joueurs font, car il faut vite réagir. Là, par exemple, dès que le joueur a posé ceci, eh bien celui-ci peut dire « Ah, ben moi j'ai le 2 qui va sur cette série-là, à ce moment-là, hop, je le remplace. » Lui se dit « Ah oui, mais moi j'ai le 3 rouge, hop, je remplace aussi par une carte tirée de mon Ligretto, » et ainsi de suite, le plus vite possible. Mais comme nous sommes assez limités en nombre de cartes disponibles, vous aurez compris que les joueurs vont se retrouver la plupart du temps bloqués. Lorsqu'on est bloqué, on va utiliser les autres cartes, l'autre paquet qu'on a gardé dans sa main gauche. Et à son tour, on peut décider de prendre les 3 premières cartes de ce paquet pour les retourner face visible devant soi sur une pile de défausse. On les tire obligatoirement 3 par 3. Et on ne peut utiliser que la carte qui vient d'apparaître. Donc là, par exemple, la 9, ça ne va pas. À ce moment-là, le joueur va continuer à les tirer 3 par 3 en espérant tomber sur une carte qu'il peut utiliser. Là, je peux utiliser le 1, car effectivement, on peut faire plusieurs séries de la même couleur au centre du jeu. Il suffit de la commencer par 1, même si les autres ne sont pas terminées. C'est pas grave. Et donc voilà, le plus vite possible, les joueurs vont faire ceci pour essayer de trouver les cartes qui correspondent, et tout cela en même temps.
Évidemment, si vous défaussez toutes les cartes de votre main et ne pouvez plus rien faire, à ce moment-là, vous avez le droit de récupérer toutes les cartes de votre défausse, de les remettre dans votre main, et c'est reparti pour un tour. Vous essayez de trouver des cartes en les jouant 3 par 3 le plus vite possible. Si jamais dans les cartes qui vous restent en main, il y en a moins de 3, eh bien à ce moment-là, vous pouvez récupérer votre paquet et le placer sous ces cartes-là. Comme ça, ça va petit à petit les faire tourner et vous offrir des opportunités de jouer supplémentaires. Alors, comme tout le monde joue le plus rapidement possible dans une ambiance délirante, eh bien, il faudra faire très attention à ce qui se passe. Par exemple, imaginons que ce joueur-là tire 3 cartes de son paquet, les place comme ça, hop, il a un 2 vert, il le place ici, et là, hop, 2 joueurs ont la carte 3 vert. Eh bien, évidemment, ce sera le plus rapide d'entre elles. Alors, il arrive assez souvent que les 2 joueurs jouent en même temps. Évidemment, c'est le premier à avoir posé qui a le droit de mettre sa carte et de la remplacer par une autre. Évidemment, si au moment où vous remplacez une de vos cartes de panier et que celle qui apparaît sur le dessus de vos ligretos est jouable, eh bien vous pouvez tout à fait aussi la jouer. Et hop, là, ça va encore et ça va encore, et ainsi de suite. Évidemment, lorsque je joue sur mon paquet de défausse et que je peux placer les cartes, la carte du dessus, eh bien ça me donne accès à celle qui est dessous. Normalement, c'est que la troisième que je peux jouer, mais là, dès que ça débloque, hop, ça se trouve, je peux en poser plusieurs d'affilée. Tant que cette carte est visible, en fait, je peux toujours utiliser la carte qui est sur le dessus. Donc des fois, ça peut être bien aussi d'arrêter de retourner rapidement des cartes pour attendre que la carte qui soit là soit jouable si vous pensez qu'elle va bientôt être débloquée par un autre joueur. Évidemment, quand des séries sont arrivées au 10, eh bien, elles sont bloquées et plus personne ne peut jouer dessus. Il va donc falloir peut-être créer d'autres séries à partir de 1. Et la partie se poursuit ainsi le plus rapidement possible jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à se débarrasser de la dernière carte de son ligretto. Effectivement, c'est le ligretto qui compte et pas le panier. Donc dès que ce joueur prend sa carte pour la poser là, il crie « Ligretto, stop !» et tout le monde est obligé de s'arrêter immédiatement. Les joueurs ne touchent alors plus à rien et nous allons pouvoir passer au décompte des points. Effectivement, plus vous aurez réussi à jouer de cartes au centre du jeu et plus vous aurez de points. On va récupérer toutes les cartes qui ont été jouées au centre du jeu sur les différentes séries. Et nous allons pouvoir les classer par couleur. Effectivement, chaque joueur ayant des cartes à sa couleur, eh bien, comme ça, on va pouvoir savoir qui a joué quoi. Donc là, le joueur violet, c'est lui. Le joueur bleu, c'est lui. Le joueur vert, c'est lui, etc. Et donc, on va répartir toutes ces cartes. Et il ne reste plus qu'à faire le total des cartes de chaque joueur qui ont été placées au centre pour avoir le score qu'on peut noter sur une petite feuille. Mais attention, il y a aussi des pénalités pour les joueurs qui n'ont pas terminé les premiers. Là, le joueur vert a terminé en premier, et comme il a vidé son ligretto, il n'a aucun point de pénalité, alors que tous les autres qui ont encore au moins une carte dans leur ligretto vont compter moins 2 points par carte restante. Donc là, notre joueur violet, il lui reste une carte, et bien malheureusement, ça lui fera moins 2 sur son total, et donc au lieu de gagner 18, il ne marquera que 16 points. Ceci étant fait, on peut alors déterminer le gagnant, et ce n'est pas forcément le joueur qui a réussi à se débarrasser de toutes ses cartes de ligretto en premier. Là, par exemple, le joueur vert, eh bien, il n'a marqué que 14 points, alors que le joueur violet, avec les 18 cartes qu'il a réussi à poser au centre, et les moins 2 seulement qu'il y a dans son ligretto, marque 16 points, et c'est donc lui qui remporte la manche. Alors, ce n'est pas marqué dans la règle, mais on peut considérer qu'on ne compte pas en négatif et que les joueurs ne peuvent pas descendre en dessous de 0, histoire de leur donner une chance pour la manche suivante. Car effectivement, vous pouvez effectuer le nombre de manches que vous souhaitez, donc par exemple 4 manches, c'est pas mal, et à la fin des 4 manches, au total des points, celui qui en aura fait le plus l'emportera. Alors attention, il peut exister certaines situations dans lesquelles on est bloqué, c'est-à-dire tous les joueurs, ils ont beau retourner leur paquet qu'ils ont en main au fur et à mesure, ils n'arrivent pas à se débloquer, et si on n'arrive pas à débloquer la situation, eh bien on peut se mettre d'accord pour arrêter le jeu aussi, et comptabiliser les points de la même manière, c'est-à-dire un point par carte jouée au centre, moins 2 points par carte restante dans le ligretto.
Voilà donc pour Ligretto, un excellent petit jeu d'ambiance, vous l'aurez compris, et de rapidité, où on rigole bien autour de la table, où c'est rapidement le bazar. Prévoyez quand même une table assez grande, surtout si vous jouez à 4 ou à plus de 4 joueurs, car effectivement, si vous achetez une autre boîte, vous pouvez jouer à plus. Effectivement, la boîte est déclinée en 3 couleurs, et chacune de ces boîtes présente des cartes avec des dos différents. Donc là, par exemple, dans la boîte verte, nous aurons des dos en fait qui représentent des symboles qui sont différents de ceux de l'autre boîte, la boîte bleue que je vous ai présentée. Donc avec deux boîtes, vous pouvez donc jouer jusqu'à 8 joueurs, ce qui est un sacré bazar. Et avec les trois boîtes, vous pouvez même jouer jusqu'à 12 joueurs, mais là vous avez intérêt à prévoir une grande table et ça risque d'être un sacré bazar. Voilà, mais vous pourrez à la fin de la partie, eh bien, retrier toutes les cartes et puis grâce aux petits symboles qui sont dessinés derrière chacune des boîtes, replacer les bonnes cartes dans les bonnes boîtes. Voilà donc pour cet excellent petit jeu d'ambiance. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir!